Suite à ma conversation que j'ai eue avec le ministre, donc j'ai une grande connaissance à mon transport illégal qui fait continuer de rentrer dans mon hôtel, envoyé par mon coopérateur qui fait prendre nous mon travail, donc nous c'est mon taxi même qui est basé dans l'hôtel. Et là, les filles proposent nous mettre tout ça maintenant, encore une fois, dans un mémorandum et soumettre les 30 janvier 2018 pour les passer dans le Conseil des ministres le 2 février 2018. Et nous finissons attendre, et nous disons promets nous, mais malheureusement, avec beaucoup de regrets, nous disons dire, il n'y a pas rien qui vient passer comme promis par le ministre de l'Intérieur, le 2 février 2018. Et c'est pour ça qu'il pousse nous avec une conférence de presse et aussi pour que je l'apprenne qui mène à une action qui peut venir, à une manifestation qui peut venir. Et d'ailleurs, mon budget est là. Il n'est pas normal que le ministre, l'autorité, qu'on nous approche pour un dialogue et correctement, sans manifestation, pendant un sous-d'oreille. Donc, ça fait ridicule. À chaque fois que vous avez fait manifestation, vous pouvez rentrer vous. À chaque fois que vous avez fait manifestation, vous pouvez vous faire manifestation. Voilà ce que je tenais à vous dire au niveau rencontre qui nous tient avec le ministre de l'Intérieur.